Mais ils sont morts en fait. Je vais devoir les imprimer en 3D. C'est bon Thomas ? Nickel. Un grand merci au labo d'Heliox de nous avoir refait en 3D. Je suis content de ne pas être mort finalement. Lien dans la description. C'est vrai que les cheveux c'est le plus dur à faire en plastique. Mais c'est vachement réussi. T'as été plus long à faire que moi. Quoi, oui. Ouais. Mais après toi c'est un gain de temps. Ouais mais le problème c'est qu'il y avait ma bite. Et ah, vraiment, c'est ça qui prend le plus de plastique. Oh, voilà. Trois rouleaux hein. Trois rouleaux. Putain. Bad News vous est présenté par le syndicat des acteurs et actrices qu'on reconnaît vaguement, mais dont on serait incapable de dire le nom. Des acteurs comme... Ah oui. Oui, c'est celui qui joue dans les films de Jeunet, là, c'est... mince. Si, ah. Oui, bah lui, il fait souvent des comédies, là. Il joue des gars un peu pince sans rire. Si, mais ah, putain. Putain, comment il peut... Ah, là. Bah elle, c'est l'espagnol, là. Elle a un nom pas commun, c'est Rosa, je crois. Fastoche, lui, c'est le général dans Taxi. Ouais, mais alors son nom... Merci beaucoup. Le mec qui fait les introductions des vidéos. Bonjour messieurs, mesdames, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas Bad News. Parce que, dernièrement, on a fêté les morts avec Halloween. Nous, on a vécu un truc un petit peu traumatisant avec Thomas. On est mort et on revit. Et du coup, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est donc une Good News. Bienvenue dans Good News. Good News, c'est l'émission de l'autre actualité. Hein. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de gens gentils. Mais pas si con, un peu con. Ah, il y a un peu de tout dans cette émission. Il y a de la good news, il y a de la bad news, mais qui devient de la good news. Et des trucs où tu fais, ah, VDM, trademark. Tu marques le logo, tu dis que j'ai pas le droit de l'utiliser. Là. D'accord. Okay. En bref, de... Ah, c'est le retour de... Vivian ! Qui était pas content que Brad lui vole sa place. Mais maintenant, je pense qu'il a compris. Nous sommes en Suède, Roger Thulgren, qui a 42 ans et qui est fan d'heavy metal. Il s'habille en noir, bon, il a la langue tout le temps comme ça, il est tout le temps comme ça, bon, pas tout le temps, mais par exemple, des fois, il fait, quand il mime le téléphone, il est comme ça, parce qu'en plus, ça fait ça, enfin, bon, bref, il est fan de heavy metal. De heavy metal. Alors qu'il n'avait que 2 ans, son frère achète son premier album de Black Sabbath. Depuis, sa vie tourne autour du métal. Sa passion est tellement débordante pour le heavy metal qu'il va voir 300 concerts en un an. Sa vie tourne tellement autour du heavy metal et des concerts que ça lui pose des problèmes pour travailler. Parce que 300 concerts en un an, ça lui laisse 60 jours pour bosser à peu près. Parce qu'il y a des week-ends aussi, tu vois. Donc du coup, c'est un peu un problème. Et lui, il se dit pas « Ah, il faut que je réduise ma passion pour les concerts ». Il se dit « Elle est bien niquée vos mères, j'y resterai ». Mais non, mais il faut qu'il gagne sa vie. Donc du coup, il se dit comment faire pour avoir un job pas plein temps et pouvoir aller voir plein de concerts. En fait, c'est un handicap. Donc, il va consulter des médecins et il demande au médecin de le déclarer comme handicapé. En mode, je suis handicapé, je suis obligé de voir des concerts, oui. Sinon je vrille. C'est ça. Et ben ouais, moi qui ne tente rien à rien. Bon, il en a fait plein. Ouais. Mais au final, il a trouvé 3 psychologues qui attestent de sa maladie. Son incapacité de travailler à temps plein du fait de son addiction dévorante a été validée. Il percevra désormais une pension d'invalidité. Je vais la redire, ouais. Parce que j'ai des petits problèmes. Hein, voilà. Moi aussi, c'est pour ça que je suis youtubeur, hein, parce que je suis handicapé. Donc, du coup, il percevra désormais une pension d'invalidité
complétant son petit salaire de plongeur dans un restaurant. Un document officiel l'autorise donc à revêtir son costume d'heavy metal lors de son travail. Il a même le droit d'écouter du heavy metal lorsqu'il fait la plonge, mais... avec un casque. Pas trop fort pour pas gêner les clients. C'est trop mignon. C'est mignon, hein ? C'est une good news. C'est une good news, finalement. Bon, le mec, il est peut-être un peu secoué, mais mignon. Mignon. En bref, de... Vivian ! Ouais, je pense que vraiment, là, on l'avait perdu et il est revenu. Vivian, le retour en force, quoi. Ah. Alors, je sais pas comment annoncer cette bad news, mais je pense qu'il faut commencer par le titre. Parce que vraiment, le titre, il est fou, quoi. Il réécrit la Bible car il la trouvait mal écrite. C'est très bien, ça. Finalement, c'est une bonne idée. Ah, écoute, c'est de la merde. Moi, je vais tout refaire, ça va être vite réglé. Il a pas dit ça comme ça, et c'est génial. C'est un mec qui s'appelle Philippe Lechermeyer. Il est strasbourgeois, et en fait, il est athée. Et il s'est rendu compte qu'un jour, il voulait expliquer à ses enfants la Bible. Sauf qu'il a commencé à lire la Bible, et les enfants, ils ont fait... C'est chiant, papa. Et lui, il s'est dit, mais putain, c'est vrai. La Bible, c'est hyper chiant. Il y a plein de personnages. Les dialogues, c'est pas très clair. Il y a des histoires qui sont un petit peu alambiquées. Je vais reprendre la Bible. Je vais la réécrire. Et je vais en faire un roman. Il a appelé ça une Bible, et non pas la Bible. Et pour l'instant, il en a vendu 60 000 exemplaires. Putain, pas mal. Ça a été réimprimé en espagnol, en italien, en allemand et en néerlandais. Bon, après, quand on sait que la Bible est le livre le plus vendu au monde... Ça aide. Finalement, quand tu fais un truc qui s'appelle Bible, il y a des chances qu'il y ait un faible pourcentage de gens. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit les catholiques qui aient acheté son bouquin. Je vais lire un petit truc. Il dit « Souvent poétique, parfois surprenante, la narration fait l'impasse sur les nombreux épisodes guerriers et les prophéties apocalyptiques de la Bible. Mais s'attache à souligner la profondeur des personnages en décrivant leurs émotions ou sensations. Par exemple, celle de Jésus lorsqu'il marche sur l'eau. Donc ça doit être un truc genre « Oh, mais l'eau est entrée entre mes orteils. » »« Elle me caressait de la plante du pied. » »« Que se passe-t-il ? Oui, je marchais sur l'eau. » La vie de Moïse y est racontée par un moucheron. Oh. Goliath est dessiné sous les traits d'un catcheur. L'ange Gabriel devient un homme oiseau. L'ouvrage est sans message de foi, mais lisible pour tous athées et religieux. C'est bien. Mais tu sais, ça donne envie de se procurer ce bouquin. Bah ouais, c'est le moment de la boîte à surprise. Déjà ? Ouais, ouais. Je pensais que c'était terminé cette affaire. Tu sais que la dernière, je l'ai pas trop aimée. Elle était un peu longue à manger. Oh, mais des vies ! Bah oui ! Est-ce que ce serait pas quelque chose qu'on nous aurait offert en dédicace ? On était à Culura, à Bègle, et des gens sont venus nous voir très gentiment et nous ont offert des impressions d'anus en chocolat. Donc, si vous connaissez pas, vous pouvez taper Monsieur Poulpe, crac crac, anus, machin. Il se fait mouler son anus en chocolat. J'ai vraiment envie de le mettre sur mon nez de faire. Si tu veux. Mais monte bien l'anus, toi, parce que ah toi, oui. T'as vraiment... On peut le voir de près. Un petit trou du cul. C'est vrai que c'est bien un anus, quoi. C'est non, bien c'est veineux. Bien fait, hein. On est vraiment des gros cons. C'est hyper dur. Bon, on va laisser tomber. Attends, attends, attends. Avec la langue, avec la langue. Ah, pas mal. Il est en train de fondre le mien. Pour moi aussi. Je vais en avoir plein le nez. Ouais, je lâche l'affaire. On est partout. Ouais. Mais non. Si. Et j'ai loupé. Et ouais. Tombé sur ma langue, et hop, hop, hop. Putain, bravo. Comme je quoi, pense que c'est la meilleure boîte à surprise. Aujourd'hui, j'ai léché un cul. En bref, de... Vivian ! J'ai vraiment plus à avoir de voix au bout d'un ouais, moment. Bah ouais, bah ouais, 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 ouais. Je lui, pense qu'on hein. va reprendre le Vivian avec le petit prout. Peut-être, ouais. Alors celle-là, elle est trop mignonne. Un Américain de 91 ans avait un rêve un petit peu... étrange. Quel était le rêve de cet Américain de 91 ans que sa famille lui a aidé à réaliser ? Bah, mourir. Il voulait une euthanasie parce qu'il se chiait dessus, il se pissait dessus, il en avait plein le fion. Alors, il a dit j'en ai marre, je veux m'euthanasier. Thomas, j'aurais dit cette bad news la semaine prochaine ou la semaine dernière, je t'aurais dit, mais carrément, c'est bad news. Mais là, c'est good news. On est dans good news. Ah, est-ce qu'il voulait bander ou il voulait un rapport sexuel? Je crois que bad news, c'était un petit peu trop. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Il rêvait d'exploser une porte de garage avec sa voiture, comme dans les films d'action. Bon, bah, 91 ans, qu'est-ce que t'offres ? Il a déjà tout, un mec de 91 ans. Ou il a plus besoin de rien, peut-être, tu vois. Et oui. Du coup, la famille et les voisins se sont mis ok. Ils ont acheté une voiture épave. Le voisin a dit de toute façon qu'il voulait changer la porte de son garage. Donc il a laissé son garage à disposition. Ils ont habillé le vieux monsieur avec un casque, avec un truc, machin, tout ça. Ils l'ont mis dans la voiture et il a défoncé la porte en faisant une marche arrière. Waouh ! Et le monsieur a dit, c'était comme écraser une boîte en bois. Ça a fait crunch. C'est trop chou. Voilà, voici les images. Ah yes. 2 3
Pas d'inquiétude à avoir pour les infrastructures, le garage avait été mis à disposition par des voisins qui s'apprêtaient à en construire un nouveau. La voiture récupérée à la casse par son petit-fils. D'ailleurs, celle-ci s'en tire avec une modeste rayure. Et voici maintenant, en bref, de Cédric, pris sur Genside. Mark Goodrum et John Ross Watson souhaitaient partir en croisière dans les Caraïbes. Wow. Et pourquoi pas s'acheter plein de villas? Ça tombe bien parce que ces deux mecs, ils ont gagné 4 millions de livres sterling, soit 4,63 millions d'euros à la loterie britannique. Eh ben... Good news. Ouais. Par contre, quand ils ont dû être payés, ces messieurs, il y a eu un petit problème. C'est qu'ils n'avaient pas de compte bancaire. Ils ne pouvaient pas recevoir l'argent parce qu'ils n'avaient pas de compte bancaire. Et ils avaient acheté le ticket avec une carte bancaire. Donc, les gens, avant de donner l'argent, se disent mais... Du coup, la carte, elle vient d'où? Et eux, ils ont fait « Ah oui, non, parce que c'est la carte d'un ami. Oui, oui, il s'appelle John. John, John. Ouais. » Sauf que la loterie, elle a jamais trouvé John. Ils ont dit « Mais où vous avez eu cette carte ?» Et il y a eu une enquête. Et en fait, ces deux personnes ont été condamnées plusieurs fois dans leur vie pour fraude bancaire. Mmh. Et en fait, cette carte était complètement volée et ils ne toucheront pas d'argent. Eh bah... Ché! Et c'est le moment de la pub de Rob. Lui, c'est Rob. Il vient de découvrir Enculix et c'est exactement ce qu'il attendait. Des centaines de séries? Des centaines de films? À partir de 19,99 par mois. Enculix, inspiré par vos goûts de merde. Merci Rob, on n'ira pas s'abonner. Ok, on est en 3D maintenant. On a été imprimé par Heliox, c'est génial. Mais en vrai, Brad, qui nous a tués, en vrai, il y a quelqu'un qui se cache sous ce pseudonyme. Et c'est Yvan. Eh oui, Yvan Lecomte. Yvan Lecomte, qui est comédien à Lyon. Et partout ailleurs d'ailleurs, ouais. C'est facile de le trouver à Lyon en tout cas. Alors vas-y, dis-nous, c'est quoi son actu? Eh ben en gros, si vous voulez voir donc Brad, donc Yvan bon. Lecomte de son vrai nom, superbe acteur, eh ben il joue au théâtre. Donc vous pouvez le voir dans le Porteur d'Histoire. Là, Une pièce de ouf, elle est géniale cette pièce. Voilà. Voilà, elle se joue à Paris et à Lyon, mais lui si vous voulez le voir, c'est à Lyon. Vous avez son Twitter, son Instagram, vous pouvez aller le suivre. Et il a aussi une pièce, je crois qu'il l'a écrit lui-même, mais je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance. On ne fait pas ce qu'on veut avec Molière, se joue aussi à Lyon. Allez le voir, c'est un super comédien et il joue avec d'autres super comédiens. Voilà. Parfait. Merci encore à toi, Brad. Yvan. Yvan. Nous serons avec Thomas au Hero Festival à Marseille le 9 et le 10 novembre avec une bad news en public, c'est une bad news spéciale enfant 2. Je serai à Annecy en dédicace le 16 novembre chez Mommy avec Edouard Court et en dédicace le 30 novembre et le 1er décembre à Toulouse avec Thomas, oui. Et on aura une émission en public qui sera la spéciale Noël. Donc si vous venez, venez avec des bonnets de Noël, s'il vous plaît. Comme ça, vous serez dans le public, ça sera trop mignon. Alors, la bad news en bref de Benjamin, prise dans l'Est républicain. Nous sommes le 5 juin 2016 au McDo d'École Valentin, près de Besançon. Oh, je connais. Tu connais? Tu es allé à ce McDo? Ah, tu connais l'anecdote? Non, mais je connais le lieu parce que j'ai été à l'école à Besançon pendant 4 ans. C'était de la merde! Et bah du coup, sache que ils ont été braqués en 2016 par deux personnes qui sont arrivées habillées en peintre. Ils avaient des costumes de peintre, voilà. Ils sont rentrés, ils ont tiré en l'air avec un fusil de chasse. Donnez la caisse! Ça a duré genre une minute. On leur a donné la caisse, plus de 2000 euros. Est-ce que ça vaut le braquage, 2000 euros? Je suis pas braqueur, je m'en rends pas compte. Ça dépend comment ouais. T'es dans la merde. Bref, ça dure une minute, ils font POM machin, ils prennent l'argent, ils sortent 15 secondes après leur sortie du McDo. 11 gendarmes du GIGN qui sortent du McDo et qui les pourchassent, qui les plaquent au sol, qui les arrêtent. Ils sont en jugement, ils sont pas allés bien loin. Ils étaient en train de bouffer leur McDal tranquille. Ils étaient venus dans le coin pour faire pour apprendre des trucs autour de la drogue. Et avant de rentrer chez eux, tout le GIGN s'est arrêté dans le McDo pour manger au moment où les mecs ont fait « C'est un braquage !» Eux, ils ont fait « Attendez,
parce qu'on est dedans, donc ils ont une arme, on va pas risquer de tuer des gens. Dès que les mecs ont sorti, ils ont fait « Ok ». Ils l'ont démonté. C'est beau quand même. Le karma, encore une fois. Alors, good news ou bad news, c'est selon le côté. C'est selon de quel bord tu es, quoi. Ces mecs qui cambriolent un McDonald's, qui sont pourchassés par le GIGN. Je me suis dit, putain, c'est fou, ça me rappelle un truc. Et je me suis rappelé que David Maurier, dans son livre « Minitel et Figure au point », sorti aux éditions J'ai lu, toujours trouvable, difficilement, mais commandable, il y a à l'intérieur le meilleur épisode de G.I. Joe. Je vais vous le lire. Assez surprenant, l'épisode commence comme une fin d'épisode. Les G.I. Joe n'ont pas de famille à rejoindre après le combat, non. Donc, ils restent entre soldats et décident pour fêter leur victoire de manger un bon burger, tous ensemble dans la nouvelle enseigne de fast-food qui attire les clients grâce à une jolie fusée posée sur le toit. Alors qu'ils sont en train de manger tranquillement leur gros burger, les G.I. Joe se rendent compte que les cuisiniers du restaurant sont bizarres. Ils ressemblent beaucoup à des soldats de Cobra. Surprise, c'est bien des soldats de Cobra. Et depuis des mois, cette organisation criminelle a fait développer ses fast-foods dans tous les États-Unis. Parce que sur le toit de ces faux fast-foods, il y a des vrais missiles prêts à attaquer toutes les grandes villes des USA. Heureusement que les G.I. Joe étaient là et avaient garé leur tank dehors devant le burger. Un appel radio et un tir de canon plus tard, et tout le pays est sauvé. Si vous êtes fan des années 80, une super idée pour les cadeaux de Noël. Thomas, on va terminer cette émission avec une bad news, good news, bad news de Luc. C'est sa mignonne bad news, good news. Et t'as remarqué que Luc, à l'envers? Non. Ça fait. Non, c'est bipé, je comprends pas. Ça fait. Ah, mais non. Mais laissez-moi dire. C'est quand même pas compliqué de me laisser dire. C'est infernal, c'est-à-dire que dans cette émission, on ne pourra plus jamais dire. Bah. Ce serait quand même très emmerdant, parce que j'aimerais bien pouvoir arrêter de biper tout ça. Je vais la lire comme il me l'a raconté. Luc, à l'époque, est à la fac. Il est en première ou en deuxième année, il sait plus. Il a pas de copine. Bad news. Et pas vraiment de succès avec les meufs, en général. bad news. Sauf que, il remarque une fille plutôt jolie. Fille sage, sympa. Elle est toujours au premier rang à la fac. Petit à petit, il se rapproche d'elle parce qu'il la trouve jolie, tout ça. Ils font connaissance. Ils s'entendent bien. Mais ils se voient uniquement pendant les cours. Ils sont quelque part entre amis et camarades de classe. Lui, il aimerait un peu plus. Et bon, là, pour l'instant, vu qu'il n'arrive pas à la voir en dehors des cours, il est bloqué dans cette friend zone, j'ai envie de dire. Mais un jour, il lui demande son numéro de téléphone. Là, ça commence les trucs un peu chelous. Elle est un peu embêtée parce que, oui, elle a un numéro de téléphone, comme tout le monde, mais c'est le portable familial. C'est pas hyper top pour échanger des SMS. Et puis en plus, il veut la dragouiller. Les sextos, ils vont mal passer, là, quand le daron, il va les voir. Bah, à mon avis, il est pas au sexto encore, hein, mais bon. Oui, oui, voilà. Mais bon. Elle vient d'une famille très catholique, elle lui dit. Voilà, on est très croyants, très stricts. Mais ils échangent quand même les numéros. Alors il me dit, je remets le contexte. On est en 2 minutes, il y a encore des gens à droite et à gauche qui n'ont pas de portable. À droite, à gauche, pardon. J'ai cru qu'il parlait politique. Le Pen n'avait pas de téléphone. Et puis Hollande non plus. Les réseaux sociaux sont balbutiants. Et le premier iPhone venait juste de sortir. Donc communiquer, à part par mail ou par téléphone portable, c'était compliqué quoi. Il finit par laisser tomber. Il se dit, bon bah, c'est dommage, mais elle veut pas me voir en dehors des cours, elle est très croyante, donc un petit peu coincée, et je peux pas lui envoyer des messages parce que ça se trouve, c'est son père qui va le lire, j'abandonne. Et un jour, il reçoit un SMS. Oh. Salut, c'est le portable d'une amie, alors pas la peine de répondre à ce numéro, je te donne mon adresse mail. Donc il a l'adresse mail pour pouvoir parler plus clairement avec cette jeune fille. Wow. Luc, il va peut-être niquer. Purée. Elle m'envoie son contact de son propre chef, donc ça veut dire que je lui plais. Luc, il se dit ça, tu vois. Il a contact par mail et il recommence à discuter par mail. Tout doucement, ça commence, message, message, message. Luc est content. Alors, il me dit tout, hein. Il me dit même mon texte, tu vois. Mais on est dans Bad News, donc je vous laisse faire les paris sur ce qui va se passer ensuite. Voilà, il avait tout écrit. Ils échangent par mail, doucement, parce qu'ils sont en vacances. La fac est terminée, on est au mois de juillet, mois d'août, et donc, bah voilà, c'est un peu compliqué d'échanger. Surtout que la jeune fille, étant très catholique et donc étant très proche des gens, est partie pour l'été faire du volontariat dans une colo de vacances catholiques. Elle est avec des bonnes sœurs, elle s'occupe des gosses et des activités, etc., etc. Elle n'a accès qu'à un PC et à Internet de temps en temps. Vraiment, il se parle avec parcimonie, quoi. Mais pour lui, c'est un progrès phénoménal. Bon, a priori, vu qu'il commence en disant qu'il niquait pas vraiment beaucoup à l'époque, il parle avec une fille et donc c'est phénoménal. On discute, elle aime bien ce qu'elle fait, et lui, de son côté, il est avec des potes, mais il a qu'une hâte, c'est que les vacances soient finies, qu'elle rentre, et qu'il se fasse des bisous bisous. Et donc, c'est plus normalement du monde que fin août, alors que la rentrée se rapproche, il reçoit ce mail. Salut. En fin de compte, je ne rentre pas, j'aime vraiment trop ce que je fais ici, donc j'ai décidé d'y rester et de rentrer dans les ordres. Désolé. C'est la fin. Il l'a plus jamais revu et il me dit, Luc,
Preuve que Dieu me hait. Et il est mort de rire. Quelle vie de merde. Quel jugement. Ouais, mais c'était en 2008. Maintenant, il doit avoir plein de rapports sexuels. N'est-ce pas, Luc? Envoie-moi un mail. Qu'on rassure la commuche. C'est ça. Cette good news est terminée. Je vous rassure, bad news revient la semaine prochaine. Je vous préviens tout de suite, la semaine prochaine, ce sera une émission qui sera sponsorisée par NordVPN. Mais vous pouvez quand même aller sur Tipeee pour nous donner de l'argent, voilà, ou sur Utip, ou acheter des t-shirts, parce que les t-shirts, ça nous reverse une petite thune et c'est quand même sympathique. Abonnez-vous, partagez, si vous pouvez pas donner de l'argent, c'est pas grave, mettez des pouces bleus, partagez l'émission, il faut qu'on soit au million à Noël. Ah ouais, ouais, ce serait pas mal. On vise million d'abonnés à Noël. Ouais. Envoyez vos bad news à contact@unecaseenmoins.com, mais envoyez aussi vos vidéos où vous souhaitez un bon anniversaire à Bad News, puisque Bad News, dans 15 jours, aura un an. On vous prépare une émission spéciale pour ces un an, ça va un petit peu changer. On va bousculer les habitudes, et ce qu'on a l'habitude de faire assez souvent maintenant dans Bad News, depuis la rentrée, vrai. Finalement. Et encore merci au Labo d'Heliox de nous avoir refait en 3D, lien dans la description. D'ailleurs, elle t'a refait une très belle cravate. T'en as pas parlé de ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et elle m'a grossi la bite debout. Ah bon? Ouais. Pas moi. Putain, c'est normal parce qu'il y avait rien à faire. Comment ça? Bah, tu sais, quand on fait une bouture ou quand on fait une extension de cheveux, faut toujours partir de quelque chose. Ah. Sur quoi s'accrocher? Ah, finalement, c'est pas une good news. Non. Que la montagne est belle, comment peut-on imaginer